Pour rentrer à la maison de retraite de Neuilly-lès-Dijon, depuis jeudi, il faut montrer patte blanche. Désinfection et prise de température obligatoire, les visites des familles sont réduites au strict minimum. Armelle, qui vient de Paris voir sa grand-mère Germaine, a été autorisée à entrer exceptionnellement. Être dans sa chambre en pensant que vous avez votre petite fille qui est à la porte, mais non, ça s'est bien passé. Il n'y a plus de coiffeur, il n'y a plus d'animation. Enfin, il y en a sûrement en interne, mais il y en a moins que d'habitude apparemment. Je pense que ce n'est pas une vie de rester comme ça. Ça inquiète aussi un peu de voir que ça va se passer comme ça. Les espaces clos comme le spa et le cinéma sont fermés. Les points de contact sont désinfectés 3 fois par jour. Tout est fait pour que les résidents âgés de 80 ans en moyenne puissent circuler librement dans un bâtiment désinfecté. À l'atelier mémoire, tout le monde craint de revivre un confinement comme celui de l'an dernier lors de l'épidémie de grippe. On a été en quarantaine pendant 15 jours. Hein. C'est long. Hein. On mangeait dans la chambre, on ne sortait pas. Ne pas se retrouver au repas, tout ça, c'est vrai que c'est long. Hein. 500 masques, 20 litres de gel hydroalcoolique. À peine de quoi tenir jusqu'à la fin de la semaine prochaine, surtout si le gouvernement décrète le stade 3 de l'épidémie. Le directeur est préoccupé. Si on interdit les visites, les gens pourront continuer vraisemblablement à circuler dans l'établissement. Si par contre on avait un cas dans l'établissement, les gens seraient confinés, enfin les résidents seraient confinés en chambre. Là, c'est quand même beaucoup plus difficile à gérer. Si le personnel tombe malade à son tour, alors là, je ne sais pas ce qu'il adviendra. Pour l'heure, les 70 résidents redoutent plus le confinement que le coronavirus.